Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour vous poser une question. Jusqu'où va-t-on aller comme ça, sans rien faire, sans réagir? Sérieux, vous vous rendez pas compte qu'on est en train de se foutre de notre gueule? Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des choses qui n'ont aucun sens? Vous ne vous rendez pas compte qu'on est en train de nous mettre en prison petit à petit et que bientôt, on va se retrouver, comme pendant la guerre des Allemands, avec une restriction, quelle qu'elle soit au niveau alimentaire ou n'importe. Dites-moi, une personne par voiture pour aller faire les courses. Bien. À partir du moment où cette personne, elle a son autorisation de sortir, hein, qu'elle a signée, etc., elle a le droit de sortir. Donc, elle est protégée par le papier, grosso modo, hein. Tant qu'elle a le papier, il n'y a aucun risque. Elle peut sortir, il n'y a aucun risque. Non, le papier vous protège. Ouais. Si vous n'avez pas le papier, ben vous n'êtes pas protégé. Et à partir de là, vous pouvez contaminer tout le monde. Ouais. Pour ça, eh ben, si vous n'avez pas votre papier, ben on vous met une amende. Ouais. De 35 euros, elle est passée à presque 300. Ouais. Donc, l'État continue à se faire du sou sur notre état actuel, c'est-à-dire notre confinement. On va bien se douter qu'à un moment donné, il fallait bien qu'ils prennent des décisions drastiques, hein, pour qu'on soit bien obéissant, hein. Parce que déjà, quand les gens ils ont perdu leur emploi et que ils ont perdu pas mal de choses et qu'en plus ils se voient obligés de payer 100, 300 € pour un bout de papier qui les protège de rien du tout, on se pose pas de questions là, on se pose pas de questions. Autre chose, la police et la gendarmerie qui sont censées vérifier si on a notre sauf-conduit, hein. Ils ont des masques? Ils ont des gants? Pas tous? Non? Certains respectent un mètre. Ils respectent un mètre, c'est bien? Vous leur collez votre papier, vous leur donnez votre papier, il le prend, il le lit, vous le rend. Voilà. Si le gars il est contaminé, vous contaminez aussi. Ah ben là, ben ouais, mais c'est bien ça! Ben oui! Donc voilà. Il serait peut-être temps maintenant d'ouvrir les yeux et de vous dire. Ah, j'ai le soleil hein, dans le dos, c'est génial. Il serait peut-être temps maintenant d'ouvrir. Donc, ça veut dire que, vous voyez, je raconte pas de bêtises, hein, le soleil m'éclaire, là, j'ai la lumière du soleil, ça, c'est super agréable. Il serait peut-être temps de vous dire que maintenant, ça suffit. Ça suffit. Alors, confinez-vous, si vous voulez. Hein. J'ai vu une image très drôle à la télé. C'était un drone qui promenait un chien. Bon, alors on fait comment dans ces cas-là? On met le papier sur le drone, on met le papier dans la gueule du chien, et la police va regarder si le chien a bien rempli son papier pour pouvoir aller se promener. Sérieux? Comment ça se passe? Non mais vous vous rendez pas compte que c'est n'importe quoi ce qu'on vit en ce moment? Autre chose qui m'a interpellée aussi, c'est... Nous avons un foyer qui a été déclaré en Chine. Hein. Alors ce foyer, il a fait quasiment le tour du monde. Mais vous avez vu qu'il reste quand même bien concentré sur toute la ligne comme ça qui part de la Chine et qui fait le tour du monde. Au nord, au sud, il n'y a rien. Ouais, je crois que l'URSS, il n'a pas déclaré un seul cas. Non. Les Russes, ils n'ont pas déclaré un seul cas. C'est étonnant. Moi, je dis c'est étonnant. Comment ça se fait? Ils n'ont pas un seul cas. Peut-être qu'ils ne rentrent pas dans le jeu. Ben non, peut-être pas. Je fais pas de politique, hein. Non, je suis juste en train de me poser des questions. Est-ce que vous vous posez les mêmes que moi? Hein? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que c'est un peu n'importe quoi là? Est-ce qu'il ne serait pas temps que, en tant qu'être souverain, hein, on commence à taper du poing sur la table et qu'on se dit, stop, ça suffit. Ça suffit. Alors chacun son libre arbitre, hein. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut. Chacun a le droit de suivre les consignes et les directives qu'on leur donne.
Alors, rester chez vous, oui. Après, ils prenaient des vacances, hein. Après tout, elles sont payées, hein, aux frais de l'État. Donc, autant profiter, prenez des vacances. C'est très bien, ça va vous faire bien. Ouais, ça va vous faire du bien. Ça va vous recentrer et vous allez vous rendre compte au final que. Vous voyez, quelque part, c'est un cadeau parce que vous allez vous rendre compte au final que vous n'avez pas besoin du système pour survivre. Ben non. Vous êtes chez vous, vous vous occupez, vous retrouvez une vie de famille, chose que ce n'était plus le cas. Vous retrouvez une vie de famille. Vous pouvez sortir à 500 mètres de chez vous. Ouais, non, vous n'attraperez rien si vous sortez qu'à 500 mètres. Hein, il ne faut pas dépasser les 500 mètres parce que là, c'est dangereux, ça devient dangereux. Et en plus, si vous n'avez pas votre papier, là, forcément, là, c'est là. Voilà, ah, c'est. No man's land. Bon. Alors, pour information, hein, même si je l'ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos, pour information, je tiens quand même à vous préciser que depuis. Le 21, je crois. Ouais, le 21 décembre 2012, tout est foreclose. C'est-à-dire que ce système n'existe plus. C'est nous qui lui donnons vie à ce système. Ouais. Ah, je vais peut-être passer pour une folle dingo. Ah, mais ça, pas grave. Hein. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Donc, nous donnons vie à un système qui n'existe plus. Mais vous vous rendez compte de ça? Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il faut que les gens se réveillent. Alors, on nous envoie un grand coup de pied au derrière pour nous dire, oh, tu vas te réveiller ou tu vas rester endormi comme ça pendant encore des années. Hein? Parce que là, on arrive vraiment à la croisée des chemins. C'est soit tu continues avec ton système, tu attends désespérément qu'il y ait un vaccin qui arrive, qu'il y ait un traitement qui arrive pour soigner cette cochonnerie que tu fais vivre en fait, en lui donnant un nom. Voilà. Soit tu décides de prendre des rênes et te dire stop, je vis ma vie comme je l'entends. Au lieu d'aller dans les grands commerces, je vais faire les petits épiciers du coin qui sont très bien, qui sont bien achalandés. Vous avez tout au jour le jour. Vous pouvez avoir des fruits et légumes frais tous les jours. Et vous n'avez pas besoin du système. Bon sang, bonsoir. Vous allez vous réveiller ou vous attendez quoi? Vous ne vous rendez pas compte là où est-ce qu'il vous emmène. Vous ne vous rendez pas compte. Hein? Ah, il nous caresse. Hein, ouais. Non, mais vous allez continuer à être payé. Hein? Oui. Même si vous êtes au chômage technique, etc., vous allez continuer à être payé. Ouais. Mais ça va durer combien de temps? Parce qu'au bout d'un moment, déjà que la fenêtre, elle, on ne peut plus aller jusque-là. Il n'y a plus moyen. La bourse se casse la gueule, mais c'est phénoménal. Il n'y a qu'à regarder sur Internet. Mais non, tout va bien. Il y en a, ils se disent, mais moi, je le veux ce vaccin. Je le veux ce vaccin. Puis je le veux ce médicament qui va nous donner plein de trucs. Alors, ceci dit, entre parenthèses, oui, il y a un médicament. Ouais, il y a un médicament. Il y a un traitement pour ceux qui auraient été impactés par la grippe du virus. Il y a un traitement. Sauf que ce traitement, avant, on le trouvait en pharmacie. Ah ouais. Maintenant, non. Non, non. Ça a été réquisitionné par les labos pharmaceutiques. Hors de question d'avoir ce traitement. Pourquoi? Ce traitement soignait les gens. Ça a été prouvé. Ce traitement soignait les gens. Il soignait ceux qui avaient la grippe, ceux qui avaient attrapé, pour ceux qui y croient, ceux qui avaient attrapé ce satané virus. Et je dis sataniste virus. Il y avait un traitement. Sauf que les lobbies, ils ne sont pas d'accord. Non, mais c'est mieux de propager la peur, c'est mieux de faire en sorte que les gens, ils aient peur, ils soient confinés en se regardant dans les yeux, en se disant, oh, mais peut-être que tu l'as, toi, en regardant le mari, en se disant, ouais, mais t'es sorti, attention, peut-être que tu l'as attrapé, ouais. Ouais, mais le mari, il avait le papier, non, il craint rien, le papier, il est préservé, il craint rien. C'est hallucinant, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça redevient ridicule, cette histoire. Ça devient ridicule. Alors, on nous dit, j'ai encore vu passer ce matin sur Facebook quelque chose qui m'a relativement fait rire, hein. C'est que, avec l'approche du printemps, de l'été, les jours allaient se réchauffer et que donc le virus ne résisterait pas à la chaleur de l'été.
côté. D'un autre côté, on est quand même, pour autant que je sache, hein, si je ne suis pas trop bête quand même, pour autant que je sache, notre corps est quand même à 37 degrés. Hein? Bon. Alors si le virus ne vit pas au-delà de 26 ou 27 degrés et qu'on le tue, qu'il meurt, hein, qu'est-ce qu'il fout là, chez nous, à 37 degrés, hein? Notre corps développe des anticorps, il développe la fièvre, pour se débarrasser de ce truc, mais il reste, il s'accroche le bestiau, il reste. Pourquoi? Alors que normalement, il doit mourir à 26 ou 27 degrés. Alors qu'à nous, 37 degrés, eh ben, il persiste, il est là, et il s'incruste. Ça choque personne? Non, tout va bien. Bon, bah, écoutez, que dire d'autre? Moi, franchement, j'aime pas... Alors, je vais vous dire, le confinement pour moi, c'est, comment dire, un état de repos. J'en profite pour me reposer, j'en profite pour... Si je n'ai pas fait de vidéo jusqu'à maintenant, c'est parce que j'observais un petit peu ce qui se passait. J'observais. Alors, le matin, dès le réveil, on vous assomme. Le virus. Ah ouais, tous les jours. Plusieurs fois par jour, d'ailleurs. Hein, le matin, le midi, le soir, dans la journée, bref, tout le temps, on vous l'assomme. Et même si vous ne voulez pas y penser, eh ben vous êtes obligé d'y penser parce qu'on vous le refile tout le temps. Moi, j'aurais un petit conseil. Hein. Soit vous arrêtez de regarder la télé, soit vous arrêtez de regarder les chaînes publiques qui ne sont là que pour vous faire peur. Voilà, c'est une bonne chose. Si vous sentez la peur monter en vous, eh ben écoutez de la musique. Ouais, il n'y a rien de tel. Vous savez, de la musique qui bouge, qui fait... Et ça va mieux après. Ça va mieux. Vous n'avez plus peur. Non, ben non. Pourquoi? Parce que vous oubliez tout ce qu'on vous dit. Vous oubliez que cette saloperie de gouvernement est en train de nous emmener là où on ne veut pas aller. Mais que malgré tout, des gens qui... mais même des gens éveillés et tout... Ils tombent dans le panneau. Parce qu'ils y croient. Parce qu'ils donnent vie à cette histoire. Moi, je vais vous dire, ça fait des mois, que je traîne une rhinopharyngite. Ouais. D'abord, je ne prends pas de médicaments. Voilà. Alors, je me soigne avec des huiles essentielles. Je me soigne avec tout ce qui est à base d'huiles essentielles, en fait. Et je prends un peu d'agent colloïdal. Je prends beaucoup de vitamine C. Mais il faut vous dire que moi, je suis un cas à part. Parce que, alors déjà, quand je tombe malade, je ne fais pas de fièvre. Non, jamais, je ne fais pas de fièvre. Moi, la fièvre, je ne connais pas. Ou très peu, hein, quand j'étais jeune, j'en faisais. Mais non, j'en fais plus. Bah non, depuis l'âge de mes 35 ans, tiens. L'âge où je suis restée, mentalement, j'ai mes 35 ans, ok. Mon corps, lui, il fait ce qu'il veut. Moi, dans ma tête, j'ai 35 ans, je ne bouge pas. Ouais. Et donc, ma dernière fièvre a été à l'âge de 35 ans. Et je suis montée royalement à un joli 38,5, 38,9. Voilà. Bah ouais. Depuis, j'ai pas de fièvre. Bah non. Donc, j'ai des rhumes d'hiver. Là, j'ai le rhume des foins qui arrive. Ouais, voilà. Mais des allergies au pollen, ce que vous voulez. Alors oui, vous pouvez aller regarder sur le livre Le Grand... Le grand dictionnaire des maladies, et on vous dira pourquoi vous avez ce rhume des foins, etc. Moi, je ne me suis pas encore posé la question. J'y suis pas encore allée, non. J'ai été pour des trucs plus importants. J'ai pas été, et je pense que je vais me poser. J'ai quand même allé regarder, parce que c'est quand même important de savoir pourquoi est-ce qu'on a des rhumes tout le temps. C'est quoi le problème? C'est quoi le délire encore? Qu'est-ce qui se passe? Bon. En fait, moi, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que. On est vraiment en train de nous prendre pour des gros. Et nous, on se laisse faire. Voilà, c'est logique. C'est logique. Ouais, dites-vous que votre attestation vous protège pour l'instant. Hein?
Tant que vous avez votre attestation, vous n'attrapez rien. Si vous n'avez pas votre attestation, vous risquez d'attraper quelque chose. Une personne par voiture, évidemment, hein, parce que à deux, on ne sait jamais ce que ça va donner. Tiens, les gendarmes qui regardent vos papiers, mais qui n'ont... Mais c'est pas de leur faute, hein, c'est pas de leur faute, hein, ils sont pour rien, hein, ils ont fait la demande, hein, sauf que... Ben, non, l'État envoie L'État envoie soit il envoie les masques et les gants en Chine ou ailleurs, hein, parce que nous en France on n'en a pas besoin au final, on n'en a pas besoin, pourquoi faire? Ça sert à rien, hein. Et donc, ben, les gendarmes, les hôpitaux se retrouvent sans masques et sans gants. Alors qu'il y en a, il y en a, hein, il y en a. Hein. Je connais quelqu'un qui est très bien placé pour vous le dire, hein. Il y en a. Ils ont reçu des milliers de gants et de masques récemment. Mais l'État ne les donne pas. Non, l'État ne les donne pas. Non. Donc les gens dans la panique, et ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils cambriolent les voitures des médecins pour récupérer des masques et des gants. Du coup, les médecins, ben, ils ont fait de masques et de gants non plus. C'est pas vous ça? C'est pas un peu le serpent qui se mord la queue là quelque part? Je sais pas, dites-moi, je me trompe ou bien je me fais des idées, hein? Je sais pas, je crois que le virus, il passe pas non plus la frontière de la France. Non, bon. Alors nous, on aide tout le monde, le gouvernement, il aide tout le monde, hein. Il aide tous ceux qui ont soi-disant ce virus. Hein. Et par contre, ici, aucune aide. Non, tu restes chez toi. Et puis la seule défense que tu as, ben, c'est ce petit papier qui te protège. Ouais. À une personne dans la voiture, forcément, hein. Et soit tu le promènes dans l'Est avec ton petit papier, soit tu le fais promener par un drone. Je trouve que cette image était vraiment très, très significative de la connerie où on vit en ce moment. Voilà, cette vidéo est un peu différente de celle que je fais d'habitude, mais sérieux là, sérieux, sérieux quoi, sérieux. Est-ce que vous voyez pas où est-ce qu'on nous emmène? Est-ce que vous voyez pas la connerie? C'est plein de c'est paradoxal. Voilà, c'est plein de paradoxes. Voilà, le mot est exact. C'est plein de paradoxes. Ah oui, oui, oui. Ah, nous avons notre ministre de la Santé aussi qui a donné sa démission. Bah ouais, bah ouais. Elle avait dit à Macron, hein, depuis de nombreuses années que ils allaient avoir un super machin qui allait leur tomber sur la gueule. Bah, forcément, enfin, qui allait nous tomber sur la gueule en l'occurrence. Hein. Et bah, elle est bien placée, hein, parce que son mari est quand même. C'est un expert ou un scientifique, ou je sais pas. Hein. Et elle est elle-même médecin. Elle savait de quoi elle parlait. Hein. Mais, dites-moi, elle le dit maintenant, hein, puisqu'elle a perdu son poste. oui, elle a perdu son poste. Et puis, elle s'est ramassée royalement municipale. Je ne fais pas de politique, hein, je constate seulement. Hein. Elle s'est ramassée royalement municipale. Bon, ça, c'est une chose. Mais la deuxième, est-ce que quand elle a vu que ce cher monsieur qui nous sert de président, hein, quand elle a vu qu'il prenait pas les bonnes décisions, est-ce qu'elle a quitté son poste? Est-ce qu'elle a dit stop, moi j'arrête les frais. Si tu veux pas m'écouter, moi je m'en vais. Ça ne m'intéresse pas d'avoir autant de personnes qui vont sûrement décéder ou qui vont être contaminées sur la conscience. Non, ça ne m'intéresse pas. Ben non, elle l'a pas fait. Alors non, content, elle l'a pas fait. Mais en plus, elle a dit que tout allait bien. En plus, elle a dit que tout allait bien. Ouais, ouais. Alors, à Macron, elle a dit que ça allait pas du tout. Et à nous, elle nous a dit qu'elle allait bien. Mmh. Elle a réduit les hôpitaux. Elle a réduit les chambres d'hôpitaux. Elle a fermé des services. Elle a fermé des cliniques. Elle a fermé tout ce qu'elle pouvait au final. Hein. Tout ce qu'elle pouvait pour suivre le système. Et maintenant qu'elle se retrouve sans rien, qu'est-ce qu'elle fait? Pof! Elle dit, ben moi je vous avais prévenu. Ah ouais, tiens, c'est bon. Ah. Non, mais sérieux. Et maintenant on va venir pleurer parce que, ah, moi j'avais dit, je lui avais prévenu. Ah ouais, tu l'avais prévenu lui, mais nous, est-ce que tu nous as prévenu, hein? Espèce de... que je dirais pas.
Non, hein, on n'a pas été prévenus, non. Non. Nous, c'était pas intéressant. Hein. C'était mieux de rester sous la coupole du système, c'était mieux. Hein. Avoir le bras long, c'était bien. Hein. Ouais. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'elle restait sur place pour pouvoir avoir des informations et pouvoir les divulguer. Tant qu'elle était au pouvoir, elle n'a rien divulgué du tout. Hein. Elle n'a pas contacté les lanceurs d'alerte pour les prévenir non plus, non. Non, elle a gardé ça bien au chaud pour elle. Hein. Et puis maintenant, elle vient pleurer en disant que « Oh, mais je l'avais dit !» Ben ouais, hein. Espèce de gneugneux, tu l'avais dit, espèce de nunuche. Je veux pas être désagréable, non, mais espèce de nunuche, bien sûr que tu l'avais dit, mais pas aux bonnes personnes au final. Hein. Voilà. Donc, moi, je trouve que ça serait temps que bah, on fasse quelque chose, en fait. Hein. Chacun de notre côté, hein, puisqu'on ne peut pas se réunir, voilà. Chacun de notre côté, qu'on fasse quelque chose et qu'on se réunisse quand même par la pensée, par le cœur, hein, par l'amour qu'on a les uns envers les autres. Hein. Il paraît que c'est quand on est au pied du mur qu'on voit comment il est haut et qu'on trouve les meilleures solutions. Bah, c'est le moment, hein, parce que là, le pied du mur, on y est. Bah, alors, soit vous êtes au pied du mur et là... Qu'est-ce qu'on fait? Soit vous êtes à la croisée des chemins et vous dites, bon, moi, je continue avec le système. Ouais, ouais, il va finir par nous trouver un truc. Ouais, il va finir par nous sauver. Soit vous vous dites, le système, j'en ai rien à foutre. Moi, je vis ma vie. Voilà. Le choix vous appartient. Vous avez votre libre arbitre, à vous de voir. Mais les travailleurs de lumière qui sont ici, bas en ce moment... Je vous signale qu'ils ont besoin de tout le monde, ils ont besoin de beaucoup de monde, ouais. C'est pas qu'ils ont besoin, au final, c'est parce qu'ils aimeraient sauver le plus de monde possible. On ne peut pas aller au-delà du libre-arbitre, c'est contre nature. Non, on ne peut pas. Donc, on fait ce qu'on peut, comme on peut. On continue à dire des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Et si vous commencez avec ce confinement, cette prison dorée, ce cadeau qu'on vous fait en ce moment, si vous commencez à ouvrir les yeux sur la vérité, il n'est jamais trop tard, hein, en fait, pour changer d'avis. Non, jamais trop tard. Et pour prendre le bon chemin et la bonne décision, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez, allez-y. Et au contraire, ça sera avec plaisir. Parce que plus on est fou et plus on rit. Hein, voilà. Sauf que là, on nous empêche de rire aussi. Ouais. On est en prison, on ne peut pas. Ah non. On peut peut-être voir le voisin et encore peut-être qu'on va nous demander d'aller voir le voisin qui a papy. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans les soirs, moi, je plains les personnes âgées. Les personnes âgées sont à plaindre. D'ailleurs, au final, c'est peut-être les seules que je plains. Parce que ils étaient déjà plus chez eux. Certains sont dans des EHPAD, donc forcément ils sont pas chez eux, donc ils n'ont pas la chance de pouvoir être chez eux. Et donc ils ont perdu le contact avec la famille parce que des fois que le virus se transmettrait par téléphone, hein, on ne sait jamais. Hein. On ne sait pas. La seule chose que j'ai vue, moi, c'est que ce papier nous sauvait de beaucoup de choses. Ouais. Tant qu'on avait ce papier, on était protégé. Ouais, si on n'a pas ce papier, on n'est pas protégé. Et l'État continue à nous fonctionner. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, à vous de voir. Hein. Sur ce, je vous dis bon confinement, bonnes vacances, profitez du cadeau, faites-vous plaisir. Et d'ici une prochaine vidéo, prenez soin de vous.